Salut les voyageurs. Dans cette vidéo, nous allons parler des concepts France Passion et de son petit cousin Suisse Terroir. Alors si vous savez déjà exactement de quoi il s'agit, ben vous n'allez pas apprendre grand chose. Par contre, je me suis rendu compte que pas mal de personnes n'ont pas du tout l'idée de ce que peut être un concept France Passion. Alors France Passion, ça existe depuis quasiment une trentaine d'années. Et ça permet la rencontre du monde du camping-car. Donc il y a quand même la nécessité d'avoir une bonne autonomie, donc on ne parle pas ici des caravanes, avec le monde agricole en général, situé en France. France Passion, ça représente environ 2000 exploitations qui peuvent recevoir entre 1 et 5 camping-cars. Et puis son petit cousin Suisse Terroir, c'est environ une cinquantaine. Lui existe depuis un peu moins de 10 ans. Sur le site de France Passion, on peut avoir une vision de la carte générale, on peut aussi aller voir un PDF beaucoup plus précis, mais tant qu'on n'est pas adhérent, il n'est en fait pas question de pouvoir directement accéder aux adresses. Ces adresses sont par ailleurs diffusées sous la forme d'un guide que l'on reçoit quand on est adhérent et depuis l'été 2020 d'une app pour iOS et pour Android qui rend extrêmement pratique la navigation pour retrouver l'étape. Être adhérent, ça signifie une dépense d'environ 30 euros par an. Et ensuite, au niveau des exploitations sur lesquelles vous allez aller vous garer, il est de bon ton, parce que c'est intéressant et que les produits sont bons, d'acheter quelques productions locales aux personnes qui vous reçoivent, sans obligation. Il y a bien entendu la possibilité d'aller chercher des étapes, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de pouvoir créer ces carnets de voyage. Le carnet de voyage est en fait une succession d'étapes possibles, en général dans une région. Donc l'idée n'est pas de faire un carnet de voyage avec un nombre élevé de lieux de points de chute, ils sont de toute façon limités, mais plutôt de se focaliser sur une partie ou l'autre de ces vacances. Bien entendu, que ce soit via un carnet de voyage ou via une recherche d'étapes, il y a toujours la possibilité d'obtenir beaucoup plus d'informations sur l'accueillant. On va retrouver bien entendu sa localisation avec les coordonnées GPS, mais on va aussi retrouver très souvent des avis de personnes qui se sont rendues sur place. Imaginons pour illustrer que je recherche un certain nombre d'étapes pour un prochain voyage, par exemple pour l'automne 2020, on va dire en Dordogne. Alors comme vous allez le voir, quand on pratique une recherche, soit on connaît directement la région, soit on connaît déjà les départements, et il y a une carte qui présente la France et qui aide beaucoup pour s'y retrouver. Je vais ici illustrer une recherche sur la Dordogne et je vais directement indiquer que je possède un grand camping-car. Ceci va éviter de se retrouver dans des exploitations où la mise en place du camping-car serait trop compliquée pour nous. À partir du moment où j'ai indiqué la région de la Dordogne, je vais pouvoir zoomer et rechercher plus précisément un emplacement en consultant déjà un premier niveau de détail. Thank you.
tout en bas de ce niveau de détail, c'est aussi possible d'avoir l'avis des adhérents qui se sont déjà rendus sur place. Voilà, cette première étape me semble bien. Je l'ajoute à un carnet de voyage qui est nouveau puisqu'il n'existait pas encore, que je vais appeler Dordogne 2020. Je vais ensuite revenir à l'étape précédente, c'est-à-dire la région Dordogne, et je vais maintenant aller rajouter deux étapes supplémentaires. Pour finir, j'aimerais voir à quoi ressemble ce carnet de voyage. Il me présente les étapes dans l'ordre où je les ai finalement enregistrées. Libre à moi maintenant de changer l'ordre pour avoir un parcours un peu plus logique. En bas de la page, j'aurai toujours la distance totale et le temps estimé pour faire le trajet entre ces trois accueillants Transpassion. Un petit aperçu ici des commentaires personnels qui ont été apportés aux premières étapes que nous avons visitées, avec toujours la séparation entre l'accueil et le stationnement. Par principe, s'il n'y a pas eu d'accueil, parce que par exemple, les personnes qui reçoivent n'étaient pas là à cause de leurs activités sur l'exploitation, le bon usage veut qu'on ne mette pas de notes, pas d'étoiles. L'idée est ici d'apporter des commentaires qui soient extrêmement utiles, notamment pour la partie stationnement, pour guider, canaliser ou donner des conseils pour certains types de camping-cars. Nouveauté de l'été 2020, juste à la fin de l'été, donc juillet 2020, c'est l'apparition de l'app qui permet de trouver finalement les exploitants autrement qu'en regardant des coordonnées GPS ou une adresse sur un guide et ensuite de les rentrer dans son GPS pour camping-car ou sur son smartphone. Un certain nombre d'options également de filtrage sont proposées et sont supplémentaires à celles que l'on trouve sur le site web et permettent de trouver par exemple des activités ou du bio, enfin un certain nombre d'informations qui permettent de trouver plus facilement ce que l'on cherche. Suisse Terroir, c'est le petit cousin suisse de Transpassion, lancé depuis un peu moins de 10 ans. Il grandit à vitesse beaucoup plus modérée puisqu'on en est en 2020 à une cinquantaine d'étapes, contre 2000 pour Transpassion. Il existe également un espace adhérent, mais qui a surtout pour intérêt de pouvoir soit communiquer avec les personnes qui gèrent Suisse Terroir ou alors commander le nouveau guide. Par ailleurs, cet espace adhérent ne présente pas directement, comme dans Transpassion, les informations sur les étapes, tout cela est uniquement possible au travers du guide. Il n'y a pas non plus, à l'heure actuelle, et on peut le comprendre par rapport au succès pour le moment, d'app qui existe sur les différents stores. Au niveau du tarif du guide Suisse Terroir, il faut compter 50 francs suisses, soit à peu près 45 euros pour une cinquantaine d'adresses. Au cours des prochaines vidéos, après cet été 2020, vous aurez l'occasion de retrouver de temps en temps des étapes Transpassion, des étapes Suisse Terroir, des campings. L'idée était ici de vous présenter l'idée générale du concept de Transpassion, sauf mention contraire dans le guide, dans l'app
ou sur le site web. Il n'est pas du tout besoin, et ce n'est même pas conseillé, de téléphoner avant d'arriver. En général, il y a de la place. En ce qui nous concerne, on cherche plutôt des étapes France Passion dans lesquelles il y a minimum 3 voire 5 emplacements qui sont prévus. Le principe même d'une exploitation agricole, c'est qu'il y a en général beaucoup de place. On trouvera toujours une petite place pour un camping-car supplémentaire. En ce qui nous concerne, pendant l'été 2020, nous avons plutôt réservé les étapes France Passion pour les étapes de liaison. Par exemple, passer 2 nuits en cours de route pour aller de la Suisse vers l'Atlantique et 2 autres nuits sur le retour. L'idée générale, c'est que normalement sur un France Passion, on est censé rester 1 nuit. D'où l'idée d'utiliser ce mode finalement d'hébergement pour les liaisons. On peut tout à fait imaginer autre chose si on tourne par exemple dans une même région. Reprenons le cas de la Dordogne qui a été évoqué dans cette vidéo. On peut très bien imaginer, vu la densité du réseau France Passion, que par exemple tous les matins on change de France Passion autour par exemple d'une ville comme Sarlat. En une demi-heure, trois quarts d'heure, on a fait le saut de puce avec le camping-car. On se pose. Pendant la journée, on va prévoir d'aller acheter quelques produits simplement chez ce producteur. Et en ce qui nous concerne, on descend le scooter et on est toujours dans la même région, ce qui permet plusieurs jours dans un même coin. Ces étapes ont permis systématiquement de retrouver des agriculteurs, des producteurs, des viticulteurs très engagés, passionnés, qui expliquent volontiers leur métier. Un espace d'accueil pour camping-car qui est sécurisé, extrêmement calme, avec un autre avantage qui est de partager avec les emplacements juste à côté, de partager cet intérêt finalement pour une France calme, pour une France passionnée par son métier et de faire également de belles rencontres, pas uniquement au niveau des exploitants, mais également au niveau des autres camping-caristes. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques informations complémentaires ou quelques informations nouvelles sur France Passion. Nous en tout cas, on a adoré et vous le verrez dans les prochaines vidéos quand les étapes France Passion se présenteront. À bientôt, merci pour le pouce bleu, merci pour votre abonnement, vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses et ça fait très plaisir.